Chérie, tu tombes bien. T'as été faire un tour aux toilettes? Ah justement, j'en viens. Je te cherchais pour te montrer. T'as vu aussi ce que j'ai vu? Alors, c'est encore un coup de notre DG hystéro-écolo, là. Ah non, mais là, c'est le pompon. On attendait sa mère. Alors déjà qu'elle nous a sucré la machine à café et qu'elle nous fait faire le café sur un réchaud à bois avec une chaussette. Ouais, et puis qu'elle nous a installé un ordinateur à pédale. Moi, j'en peux plus de me faire le Mont Ventoux à chaque fois que j'envoie un mail. Non, mais trop, c'est trop. Il faut absolument lui parler. Elle arrive. Ah, Thierry, Bruno. Alors, dites-moi, êtes-vous allé aux toilettes depuis ce matin? Et justement, on en arrive. Ah, alors vous avez pu apprécier notre nouvelle installation? Non, pas vraiment. C'est quoi les gros sacs de sueur qui est à côté de la cuvette? C'est le nouveau système qui remplace la chasse d'eau. Ah bon, il n'y a plus de chasse d'eau? Non, fini. Vous vous rendez compte? Une économie de 5 à 8 litres par chasse. Alors là, juste une petite pelletée de copeaux de bois dans la tinette à chaque fois que vous y allez, et hop, le tour est joué. Et ça marche? Bien sûr. Oh, évidemment, il faut le vider de temps en temps, et ça sert de compost pour le potager. Ah oui, mais tout ça c'est très bien quand on est une cabane au fond du jardin, mais là on est au 37e étage d'une tour. Alors rassurez-vous, j'ai pensé à tout. Hein. Ça m'aurait étonné. Oui, nous avons en bas de très jolies plates-bandes. Hein. Un peu d'engrais ne leur fera pas de mal. Et vous êtes fumeurs tous les deux? Oui. Vous descendez combien de fois par jour? Oh, 5 à 6 fois, pas plus. Hein. Ah ben voilà. Il suffira que vous emportiez un petit paquet de compost à chaque fois que vous allez vous engrayer une. Hein. Ça rentabilisera vos pauses. Bonne journée. Eh ben, tu sais quoi? Demain, j'arrête de fumer. Ouais, t'as raison, moi aussi. Parce que le tabac, c'est vraiment de la merde.